Bonjour, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette rediff de live un peu improvisée, c'était pas prévu. Voilà, il est que 22h37, il est encore un peu tôt. Je suis en compagnie de toutes ces bien belles personnes ici présentes. On s'est réchauffé parce qu'on l'avait déjà fait il y a 2 jours à peine. D'ailleurs, j'ai toujours pas sorti la rediff. On s'est réchauffé pour refaire un Gartic Show. Voilà, donc je dessine, il devine. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc YouTube, je fais des bisous. Je fais aussi des bisous à ceux qui nous écoutent sur YouTube en direct et qui malheureusement ne peuvent pas jouer parce qu'il n'y a pas de chat sur YouTube. J'en suis désolé pour vous. Le gameplay est ici. Merci Lurio28 pour ta petite donation. Je l'avais pas vu, c'était il y a 1 heure. Mais merci beaucoup. Démarrons. Alors ça commence. J'ai déjà un doute sur de quoi on parle avec ce mot. Enfin, j'ai un truc en tête, mais je préfère vérifier parce que si c'est pas ça, je vais dessiner un truc que c'est pas ça et les gens vont me dire c'est pas ça et ça va être très chiant. Donc, c'est... Ouais, mais c'était complètement ça. C'était complètement ça. Vous êtes prêts? Voilà, essayez de deviner, table, kiwi, poisson, voilà, vous êtes chaud, c'est génial. Voilà, la musique, elle est folle. Peut-être la baisser un peu, non? Attention, c'est parti! Allez, c'est à vous, c'est votre chance, là. Faut y aller. Faut y aller, là. Allez, faut y aller, là. Allez, hop, hop, hop. Mais oui, vous l'avez. C'est juste que vous n'avez pas exactement le bon mot. Allez, il vous faut le mot scientifique. Ah, je vous en donne des exemples, là. Là, il a un peu de salade. Là, il a un peu de tomate. Là, il saigne de l'œil. Bien joué! C'était un appareil orthodontique. Trop dur à trouver. Mais oui! Mais vous vous doutez bien que ça fait un quart d'heure qu'il y a tout le monde qui dit appareil dentaire. Vous doutez bien que c'est pas vous parce que vous allez le mettre en quart d'heure. Après tout le monde, ça va marcher. C'est que c'est pas ça. Si vous voyez le mot écrit dans le chat et que le jeu est toujours en cours de route, bah c'est que c'était pas ça le mot et qu'il fallait chercher ailleurs, en fait. En tout cas, bien joué. Hein. C'était pas simple à trouver. Celui-là non plus sera pas si simple à trouver. Surtout, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Alors attention, préparez-vous, ça va aller vite. Bien joué. Ça va très très vite. C'était un cintre. Bravo, j'ai peut-être menti quand j'ai dit que c'était difficile à trouver. Et oui. Ah, alors celui-là... On n'a pas tous forcément la même définition du mot. Donc là aussi, je vais vérifier. Oui, avec un tiré. Alors, j'ai rien dit. Bon, c'est ça, c'est ce que je pensais. Il y en a différents. Mais je pense que je vais dessiner celui que tout le monde a en tête. Tac, il y en a un ici, il y en a un ici. Des fois, il y en a un là. Et il peut y en avoir un ici. Voilà. Mais j'essaye de vous brain! J'essaye de vous niquer à chaque fois, j'y arrive pas! Comment tu fais? Mais t'es trop fort là! T'es chiant parce que t'es trop fort en fait! C'est ça le truc! J'essaye de vous brain en mode il y a peut-être un tiré au milieu, c'est un mot composé, c'est une pizza! Et voilà! Et j'ai pas dessiné le cercle en premier, j'ai d'abord fait les. Ah, c'est bon là! C'est trop chiant de jouer avec vous là! Bon, ça par contre, il faut que je vérifie à quoi ça ressemble. Alors, avec les... C'est quoi les chiffres exacts déjà qu'on met dans le mot? Waouh! Ah ouais! Bah vous l'avez pas celui-là. Mais celui-là, personne ne l'a en fait. Mais personne ne l'a celui-là. Alors celui qui le trouve, t'es le roi du monde. T'es même le roi du pétrole, je te le dis.
Vous doutez bien que si j'ai fait un mec avec un... Bien, bravo. Non, j'allais dire, vous doutez bien que si j'ai fait un mec avec un gilet jaune, c'est que c'est pas pour dessiner une caméra. Hein. C'était un géomètre. Ouais, non, vraiment, celui-là... Non, vraiment, pas mal. Hein. Kent. Kent. Ah, Quentin. Quentin. Quentin, t'es un monstre. Hein. Bravo. Le géomètre, moi, tu me mets ça, j'aurais jamais trouvé. Impossible à trouver tout seul. Donc, tu travailles dans le BTP, certainement, Quentin. Donc, j'espère que ça se passe bien le boulot. Bravo. Alors, celui-là... Jouer, c'était assommé. Je pensais que ça allait se trouver plus vite. Pourquoi ça? Alors pourquoi vous avez mis plus de temps à trouver? Parce que vous avez été perturbé par les persos, j'imagine. Il a une grosse batte. Il tape sur la tête du perso en bas à droite. Il y a les mouvements. La flèche dit c'est ça. Paf. Assommé. Bravo Alpha. Bien joué. Bravo. Alors. Oh là là. Je suis à deux doigts de mettre l'emote only pour que personne ne puisse parler, que vous me laissiez le temps de faire mon dessin et ensuite je vous ouvre le... Je vous ouvre... Alors on va faire ça, on va faire ça. Par contre, je suis quasi sûr que ceux qui ont le VIP sont capables de parler. Alors ceux qui ont le VIP, vous m'entendez bien, vous ne parlez pas, vous ne dites pas le mot. S'il y en a un qui dit le mot pendant les motonni, il est ban. Voilà, il ban pendant 2 jours. Je l'ai dit. Vous me laissez de faire mon dessin. Et après, je vous enlève les motonni. Là, j'ai encore un peu de temps. C'est bon, on peut désactiver les mots only. Allez-y, c'est votre moment. Mais pourquoi vous dites 12 Bob l'éponge, soyez pas con. Le chat entier qui dit Bob l'éponge, je meurs. Je hurle. Mais vous doutez bien qu'il n'y aura pas Bob l'éponge dans le jeu, enfin. C'était Méduse le mot à trouver, pas Bob l'éponge. Il n'y avait aucun intérêt à mettre l'homme les boutons. Ah, vous êtes trop fort. Alors, vous êtes trop fort. Non, mais le problème, c'est que je sais que à partir du moment où je dessine Bob l'éponge, quelqu'un il va écrire étoile de mer, calamar, écureuil, méduse, crabe. Tu vois, ça va être par automatisme. Les gens, ils vont spammer. Donc, peut-être que il faudrait ne pas mettre les... Au lieu de pas mettre les mots only, peut-être qu'on devrait mettre les mots only. Mais ça m'obligerait à attendre... Non, vaut mieux pas. Parce que flemme d'attendre 30 secondes entre chaque round. Et bien là aussi, on va vérifier le mot, j'ai un doute. J'ai un très gros doute sur ce mot. Ah! Ouf, alors là, j'ai vraiment... Oh là là.
Je vais là, j'ai dessiné avec mes connaissances. Bravo. Bravo Diane. Non, bravo. C'était un égouttoir. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, parce que j'en ai pas, en fait, mais bien joué. C'est un égouttoir, c'est là où tu mets ta vaisselle pour que. J'allais faire les petites gouttes d'eau là qui tombent. Mais ouais, non, bien joué. Hein. Propre. Enfin propre. Hein. Comme la vaisselle quand. Allez. Hein. Ça va aller tellement vite. Jouer. Bravo. Bravo Sacha le gamer. Effectivement, c'était la douche. Bien vu. Bien vu. On aurait pu dire shampouiner et tout, mais c'était la douche. Oh là, je l'ai très mal fait. Bah trop fort, je sais pas comment t'as fait. J'ai pas eu le temps de dessiner les petites billes qui sortaient du truc. Mais voilà, j'ai dessiné comme ça parce que je me suis dit le réflexe qu'on a tous avec les poufs, c'est de sauter dedans. Le cul la première évidemment, ça va de soi. Donc c'est un pouf, mais j'ai même pas eu le temps de lui mettre une couleur un peu vert fluo et mettre des petites billes blanches qui traînent au sol. C'est ça, en fait je dessine en speedrun. Vous êtes trop fort, hein. Vous allez beaucoup trop vite. Oh, les yeux que je lui fais là, c'est une catastrophe. Trop fort, ouais, c'était allumé. Il y avait plein d'autres façons plus simples pour dessiner allumé. Mais là, je voulais dessiner un mec qui a la tête au sol, qui essaie de souffler sur des petites braises pour allumer un feu de camp, tu sais. Eh oui, mais faut que j'aille chercher loin parce que sinon, si je fais juste allumer, genre interrupteur, allumer, éteindre ou des trucs comme ça, c'est trop facile. Bon, après, j'ai un peu mal dessiné, on va pas se mentir. Je suis désolé, et la perspective était pas folle. Ok. Il me fait rire sa tête. Content, j'ai eu le temps de finir mon dessin là. C'est le mot signaler. Vous l'avez, c'est bon? Voilà, il y avait le profil de quelqu'un, on pouvait l'ajouter en ami. Il y avait le drapeau en général, c'est pour. J'hésitais avec un point d'exclamation, mais dans ma tête, le drapeau c'est plus démocratisé pour signaler un utilisateur ou signaler un contenu en ligne. Il montre le petit doigt, faut le signaler vite.
Alors je vais vérifier encore une fois. Waouh, pourquoi j'ai ce genre de proposition là quand je cherche le mot dans Google? Ah d'accord, ok, je le voyais pas comme ça pour le coup. Oh non, mais moi sur Google, c'est l'image que j'ai trouvée. Ah bon, j'ai eu peur. C'est pas ça? C'est une esthéticienne. Moi, je pensais que... Oui, bon, bref. Mais quoi? Moi, ouais, sur Google, il y a vraiment l'image de... Je suis désolé. Hein. Elle lui met de la crème. Attends, ça j'enlève. Ouais, elle lui met de la crème sur la tête. C'est exactement le même dessin que j'ai dessiné, regarde. Tu peux pas dire que je l'ai pas bien fait. Il n'y a pas assez de luminosité, certes. J'ai fait exactement le même dessin. Elle est sous sa couette, elle lui met les deux mains sur le visage, elle est contente, l'autre elle est contente, elle lui met de la crème. On voit pas, mais c'est de la crème, d'accord? Alors arrêtez de vous... Vous êtes des jugeurs là, vous jugez tout le temps mes dessins. Assumez d'être nul et puis voilà. Hein. À un moment donné, c'est pas ma faute. Hein. Attends, attends, attends. Celle-là, celle-là. Oula! Comment on fait? Ah, plutôt comme ça. Ah merde, c'est même pas dans le bon sens. Hop là! Wow, vous avez mis du temps à trouver! Mais les gars, c'était il y a 3 heures que je vous en parlais du triangle, enfin! C'était ce soir! Qu'est-ce que vous faites? L'écran! C'est ma liste des subs que j'ai sur mon écran de gauche! Là, il y a un sub Twitch, un sub Twitch, un sub Twitch, un sub Twitch, et là, il y a un sub YouTube! D'où le triangle! Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sub sur YouTube, je dis merci un tel pour le sub! Et je fais un geste de triangle avec la main pour dire que ça vient de chez YouTube! Mais on connaît pas! Eh ben si! Si! Si, on connaît! À un moment donné. Oh! Ça va là? Maintenant tu connais. C'est bon. Il y a 3 heures qu'on en a parlé, arrêtez. Fallait être là. Ah, tant pis pour toi, ça prendra. J'avais pas juste faire un triangle. C'est bon, hein. Oh putain, le spam des mots Illuminati, je suis mort, je suis fou, oh là là. Je vais me faire repérer, c'est certain là. Je vais avoir des problèmes. Hein. Merci Clara DMZ pour les 18 mois de resub. C'est très gentil. Alors. Alors là, j'ai complètement faux. Bien joué! Parce que si je te faisais juste un village, je trouvais le village, mais là, il y a une expression française en jeu. On remet l'église au centre du village, d'où le fait que je dessine les maisons parfaitement autour de l'église. Et si plus vous n'aurez pas trouvé, plus j'aurais élargi, mais ça aurait fait un cercle, un périmètre de maison à équidistance avec l'église, parce qu'elle est au centre du village. Eh oui! Eh oui! Mais bien sûr! Bien sûr, il faut sortir un peu, faut s'informer. Alors, celui-là, très dur. Très dur, tellement dur que...
Je ne dessine pas. Tu l'as. Ah, tu l'as. Je vous connais, vous l'avez. Vous l'avez. Non, mais quand je dis que je le dessine pas, c'est que c'est très facile, mais c'est pas un truc genre le vide, blanc, rien, c'est pas ça. C'est un vrai objet. Et si dans 10 secondes vous le trouvez pas, je commence à dessiner. Mais je suis sûr que quelqu'un va trouver. Merci beaucoup à Lei Pasco qui a sub. Hein ? Bravo ! Bravo Ilka, c'était effectivement une voiture. Tu as bien remarqué la perspective au niveau des roues et l'ombrage derrière le capot. GG, en tout cas, pour le coup, c'est parfaitement mérité. Bah, je pouvais en faire encore beaucoup des traits, hein, à un moment donné. Vous voyez pas ses poumons se remplir? Vous voyez pas qu'il a un gros ventre parce qu'il respire énormément fort? Enfin, tout de même, je vous ai représenté la position de base de la respiration. Les bras en arrière. Et tout le monde respire comme ça, non? Voilà, non? Vous êtes chelou à pas respirer normalement. Et voilà, c'était respirer. Bien vu. En plus, j'avais essayé de lui faire la tête un peu qui ressemble à Kirby. Parce que Kirby, son pouvoir, c'est de respirer les... D'aspirer, plutôt, aspirer. Pas mal, ça. Oh, je dessine des trucs, je sais pas du tout si ça existe. Bien joué, c'était une blouse de laboratoire. J'étais en train d'essayer le labo derrière, mais je sais pas ce qui m'a pris de dessiner un escargot. C'est un escargot de laboratoire, bien sûr. C'était une blouse, parce que la flèche montrait bien le vêtement, du coup. Oh, mais ceux qui spamment des points d'interrogation dans le chat quand ils comprennent pas un dessin, vous êtes tellement de mauvaise foi. Ah, je vous juge tellement, là. Ah, vous assumez pas de perdre. Oh, la honte, quoi. Ah non, la honte. Oh là, trop la honte, quoi. Et attention, l'élément qui va tout changer au dessin. Sans cette boule et ce trait, introuvable. Tu rajoutes la boule et le trait, et on est bon. Par contre, il a un énorme sexe. Quoi ? Alors. Oh là, comme ça de tête. Ouf ! Oh là là ! Oh là 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 là! Chut. Ah, bien joué.
Stabilisateur. C'est pas simple à. Donc il y a la caméra et au-dessus il y a le truc. Mais attends, pourquoi? Ah oui, parce que j'ai le wifi allumé, c'est ça? On va l'éteindre. Stabilisateur. Ah, GG à ceux qui l'ont. Et là, j'avais dessiné les mains du mec derrière qui le tient. Non, bravo, bravo. Non, il verra pas bien. Bien joué. Bien joué, c'était les mouchoirs. Il était gêné qu'il y avait ses mouchoirs juste à côté de son. Alors. Comment ça? Comment ça? Il y avait une meilleure façon de dessiner le mouchoir? Bizarre. Ok. Ah, ils ne me laisseront pas le temps de faire mes couleurs, je le sens. Oh, il est trop beau mon dessin. Il est trop beau mon dessin. Je suis refait, j'ai eu le temps de le faire, vous l'avez pas trouvé. C'est génial. Ah, je suis refait, je suis trop content. Ah, je suis trop content. J'ai eu le temps de finir mon dessin. C'était un vendeur de glace, c'était une glacerie, c'était trop bien! Putain, ça fait du bien! Oh, première fois de ma vie que je finis un dessin! Yes! Ouh! Bon, maintenant, j'ai un doute. C'est une glacerie, c'est un endroit où on vend des glaces ou j'invente un mot là? J'ai un doute, vraiment j'ai un doute, parce que vu vos, vu vos réactions, j'ai peur. Si, c'est ça! Non, attends, non, c'est pas ça. Si, c'est ça! Si, c'est ça! Donc c'est ça, j'avais raison. Ah bouh, vous avez pas de culture, hein, les nulos. Regardez-vous. Ah non, vous pouvez pas. Vous avez même pas de miroir, tellement vous avez pas de culture, vous savez pas ce que c'est. Ah bouh. Voilà. Donc moi j'aurais dit un glacier, un vendeur de glace. Bon, le jeu nous a dit glacerie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, Mara 2022, bien joué. Trop fort. Si si, glacerie, c'est ça, bien sûr. Comment ça se dessine? Alors attends, faut que je réfléchisse. Oh, c'est. Oh là là, mais il y a. C'est un. C'est pas concret. Ok. Alors, peut y avoir ça. Voilà, et à côté, il peut y avoir. Comment je te le dessine?
Attends. On va recommencer. Ouais, c'est ça. Bien joué. Bien joué, MLB Léa. C'était un parapluie. C'est trop dur à dessiner un parapluie. Je savais pas comment faire. Il y a tellement de trucs à prendre en compte. Mais j'aurais dû aller vérifier sur image, encore une fois. Bien joué. Propre, hein. Propre, propre. Mais je comprends que vous avez mis du temps à trouver. C'était pas si simple que ça. Merci à Arisha pour les 25 mois de resub. Ah. Ah. Alors celle-là. Il y a certains qui, je pense, l'auront pas direct. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Bon, bah, j'imagine que c'est ça. Bien joué, en tout cas, bravo. Je pense que c'est ça sur la couleur. Le symbole, je ne sais pas, c'est peut-être ce arrière. Feu de brouillard. Ah ouais, ceux à l'avant, ils sont verts. Et c'est ceux à l'arrière qui sont... Ah ouais, j'ai dessiné exactement ce qu'il fallait, c'est bon. Ceux à l'avant, les traits... Ah, c'est l'inverse, c'est des traits droits qui sont barrés par une vague. Ok, c'est pas des vagues qui est barré par un trait droit, autant pour moi. Et à l'avant, les traits sont pas droits, ils penchent un peu vers le bas. Et il est dirigé vers la gauche. Alors que lui, ceux de l'arrière, ils sont dirigés vers la droite. Ok. Ouf. Je savais pas comment vous faire comprendre, c'était pas l'objet en tout, mais juste le contenant en fait. Ni le contenu, ni la totalité. C'est du pain pita. Donc, bien joué. Donc je suppose que c'est sûrement un terme qui n'est pas employé dans toutes les régions de France. Donc il y en a qui vont dire, c'est quoi le pain pita? Je connais pas le pain pita, moi je connais que le kebab. Et encore que kebab, pas tous le disent. Moi je connais que le grec. Allô? Ouais c'est grec. Non, pain pita. Mais c'est autre chose, c'est pas, en plus c'est pas du tout le même pain au final. Pain pita, c'est une espèce de... c'est une galette. Je crois qu'on peut appeler ça une galette, j'en sais rien. Eh, je suis pas restaurateur. Moi je travaille dans une glacerie, ok. Oh là là. J'essaie de rendre ça un peu mignon, d'accord? Bien ouais, bien joué. Je sais pas comment c'était censé être dessiné, je veux pas le dessiner mieux que ça. J'ai fait mon max, ça me dégoûte déjà bien assez. Au revoir. Oula, c'est très droit comme... Non ! Mais t'es sérieux ? Mais comment ? Mais comment ? J'ai même pas sorti la couleur rouge.
Je voulais dessiner que le sol c'était de la lave, le jeu où les gens Mais on a le même cerveau en fait, c'est pas possible. On a tous la même vie. On est tous la même personne au final. Oh putain! Attends, j'ai un doute. Ah non, 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 c'est pas ça. Ah oui, d'accord, je sais ce que c'est en fait. Comment je pourrais le dessiner? Ah! Ok, c'est bon, je sais comment le dessiner. Bravo! Bien joué! Non, bien joué! C'est propre! C'était le sceau! Le sceau! Qui scelle l'enveloppe! Qui peut sceller ton cul aussi! Oula, quoi? Oula, calmons-nous! Calmons-nous! Ça va trop vite! Qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas, vous trouverez jamais! Je vérifie. Ça n'existe pas, je répète, vous trouverez jamais. Oh, je le fais, mais vous trouverez pas. Oh là là, mais je. C'est fou, hein, les traits droits que j'arrive à faire. Oui. De toutes les regarder dans Google Images. Ah, il y en a certains qui mettent une petite feuille là. Alors, c'est pas une boisson. On pourrait croire, mais c'est pas une boisson. Voilà, du coup, pour vous faire comprendre ça, je vais vous dessiner une cuillère. Couillon, tu veux pas. D'accord. On peut dessiner en blanc, mais on peut pas remplir de blanc. Mais c'est complètement con. Bon, bah dites-vous que tout ça c'est blanc là. Non, mais vous trouverez pas. Bah, le truc c'est que vous êtes beaucoup à l'avoir trouvé. Que c'était une mousse au citron, oui. Mais eux ils appellent ça une mousse au limone. Mais vous l'aviez, hein. Ah, vous êtes trop nuls! Oh les perdants, regardez-les, ils sont 1000 à avoir perdu, trop nul. Oh la loose. Moi je ne fais que respecter ce que le jeu me dit de faire, hein. Mousse au limone, mousse au limon, et puis voilà. Sorry not sorry, hein, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Non mais il y a des erreurs de traduction, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ça? Ah d'accord, ok, j'ai peut-être une idée de comment le faire. Ah non, ça s'appelle comme ça! Ah ouais, bah tu vois, c'est moi qui ai fait une erreur là pour le coup. Je peux pas faire mieux là. Vous l'avez pas? Tu crois vraiment qu'à la pétanque tu tires avec la boule collée sur la nuque? Tu crois vraiment qu'à la pétanque tu tires comme ça? Vous avez jamais vu aux Jeux Olympiques les gens qui lancent des poids, ils le lancent toujours avec le poids collé sur la nuque et ils tirent comme ça de loin. Et donc, j'ai toujours cru qu'on disait lancer deux poids. Et je suis allé vérifier sur Google, parce que j'allais me moquer du jeu, et sur Wikipédia, c'est lancer du poids. Le lancer du poids est une discipline de l'athlétisme. On appelle ça le lancer du poids. Comme le lancer du disque, ou le lancer du marteau,
ou le lancer du javelot. Et moi, j'étais sûr que c'était lancer de marteau, lancer de javelot, lancer de disque, lancer de poids. Eh ben, on a appris quelque chose ce soir. On se couchera moins bête. Incroyable. Et donc oui, tu vas sur Google Images, tu les vois tous avec le poids collé là au niveau du cou. C'est une strat pour lancer le poids plus vite, plus loin, plus fort, j'imagine. Alors. Ouais, ouais, trop fort. Trop fort. Mais trop fort. Ouais, mais j'ai pas eu le temps de dessiner le, la foule, le public, les fans, tout ça là. Des monstres. Non, vous êtes trop fort. Bien joué. Chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Comment je pourrais dessiner ça? Ok. Oh là, il erre pas droit lui. Bah qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Non, moi mon dessin est fini là. Merde, putain, personne le trouve, après on va dire que c'est moi qui ai des idées bizarres. Je sais pas comment mieux le dessiner moi. Non, je pourrais rien faire de plus. Waouh, merci! Tu m'as sauvé la vie. Ma fouilloupane. Ma fouilloupin, en fait. Merci. Parce que c'était se méfier. En mode, il y a un mec qui te propose de la thune comme ça gratuitement et t'es en mode, c'est bizarre ça. Est-ce que je prends la thune? Ou est-ce que je prends pas la thune? Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais en vrai, je sais pas comment j'aurais pu mieux le dessiner. Il a eu 0 points. Oh, le pauvre. Triste. Ah ouais, j'avoue, regarde en haut, il y a... Oh non, trop triste. Sorry. Ils ont pu te donner au moins un point. T'aurais pu écrire. Non, j'ai pas le droit d'écrire. Absolument pas. J'allais faire le logo de Carrefour. Le logo rouge et bleu de Carrefour. Bien joué, c'était un sac en plastique. Bravo. Qu'est-ce que... Ah non, mais j'apprends des mots ce soir, là. C'est quoi, ça? Ah, mais ça existe vraiment? Oh, mais c'est ça! D'accord. Je n'avais jamais su de ma... Je ne saurais jamais de ma vie. Je veux pas savoir ce que c'est. Oh, putain.
Je sais pas le dessiner. Waouh! Vous êtes trop fort! Je ne sais pas. Je l'ai vu. Ça on dirait un instrument d'horreur, de torture. Truc que les femmes elles se mettent dans l'œil, là, dans les cils. Je sais pas. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Je fuis les gens qui possèdent ça chez eux. J'ai beaucoup trop peur. Ah! Alors ça, je m'attendais pas à le voir, tiens. Oula, quoi? Ah merde. D'accord, on n'est pas du tout sur la. Oh, on n'est pas du tout. Waouh, ok, je découvre un truc de fou là. On n'est pas du tout sur le la même culture générale là, Google et moi. Alors je vais dessiner ce que j'avais en tête à la base. Hein. Et après on parlera de ce qu'était vraiment le mot. J'avais pas le droit d'écrire la marque en plein milieu, on est d'accord. Donc, je t'ai fait l'emballage. Et c'est un paquet de granola. Donc, en haut à gauche, le petit truc carré rouge, c'est la marque Lu. À droite, c'est un granola. À gauche, j'étais en train de t'en dessiner un autre. La boîte, elle est bleue en général. Et le truc, c'est que granola, quand tu tapes dans Google Images granola, t'as pas du tout ça. T'as des bols ou des. C'est une espèce de recette à base de. Je sais pas, des espèces de. Trucs. Avec des fruits. Et des. Mais des trucs. J'en sais rien, on dirait des. Ça ne porte pas de mots! Qu'est-ce que. Des machins, des. T'es nul, Farod. Oui, mais toi, t'es ban. C'est bête. Hein. Des amandes. Non, pas des. Je sais pas. Je sais pas, tapez granola dans Google Images et tu verras. Je sais pas comment ça peut s'appeler ce truc-là. Alors. Pourquoi c'est ça qui me vient en tête directement? Mais c'est fou. J'aurais très bien pu penser à quelqu'un dans la voiture, en fait, qui s'attache, tout simplement. Et non, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est cette image. C'est quand même fou. Enfin, c'est comme quoi, des fois, en fonction de l'heure, le cerveau. Je sais pas, moi. Mais c'est. Hein? Alors, bon. Très bien. Le sujet, oui, on va changer. Oui, moi, dans mon esprit, les grand-mères ont toujours 1 milliard de cheveux. beaucoup de cheveux gris. C'est comme ça que je les vois, les grand-mères. Voilà, c'est pour ça. Ça, c'est moi la représentation d'une grand-mère. Petits yeux, grosses lunettes et énormément de cheveux. Elle est stylée, hein? Je sais pas si c'est la grand-mère de qui, mais grave stylée. Hein. Ah.
Merde. Alors là, bravo. Celui qui l'avait. Diane, putain, on a le même cerveau. Bravo. Annuaire, si je te dessinais le doigt, trop facile. Si je te dessinais un livre épais et jaune, trop facile. Par contre, il existe le cliché des mecs qui sont tellement forts et costauds qu'ils arrivent à déchirer avec les mains un annuaire. Preuve de leur puissance et de leur force. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait deviner que c'était un annuaire. Démerdez-vous. Eh, Diana l'a trouvé, hein. Vous étiez tous capables de trouver, hein. Désolé, hein. Ouais, annuaire, c'est un doigt. Ben oui, le index, majeur, annuaire, et le petit doigt, et le pouce. Voilà. Ben oui, faut réviser la SVT un petit peu. Alors là. C'est pour vous, c'est pour moi. Bien joué. Je vous l'ai dit, hein. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est cadeau. Ouais, je me suis dit, peut-être mes refs étaient trop vieilles, mais ouais, c'est ça. T'es de offline à online, t'es déconnecté, tu te connectes. J'aurais pu le faire avec Discord, avec j'en sais rien quoi d'autre, mais je sais pas, le premier truc qui m'est venu en tête, un endroit où on pouvait se connecter et ça se voyait, bah, c'était ça. Voilà. Et t'as dit connexion, eh ben désolé, c'était pas connexion, c'était le mot d'avant, que je sais plus ce que c'était, mais voilà. Alors attention, parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite dès que je vais faire un truc. Ah, j'avais prévenu que ça allait aller très vite. Il y en a un, il a dit « né ». Bon, c'est bien tenté. Hein. Oui, c'était le clown. J'espère que j'ai pas fait trop peur à ceux qui ont peur des clowns. Ah, il était facile. Des fois, il y en a des faciles.
Bien joué. Ce n'était pas le genou, c'était agenouillé. Bien joué. Bravo. Putain, vous êtes bon. Hein. Vous êtes bon. Bravo. Alors attention, ça va aller très vite. J'avais prévenu que ça allait très vite. C'était un lapin. C'était un petit lapin. Merci Physito Game pour le sub que tu as offert. Ouf. Waouh, putain, ça se dessine comment ça? Non. Ouh putain, bon. En fait, il y en a un qui va trouver, mais il va pas faire exprès de trouver. Je le sens arriver gros comme une maison. Et je me suis dit, il y en a un, il va trouver sans faire exprès parce qu'il va vouloir écrire frites, qu'il va écrire tellement vite qu'il va pas écrire le E et qu'il va écrire free. Donc des aliments frits, donc là il y avait du poulet frit, des frites qui sont frites, les oignon rings qui sont frits. J'aurais pu faire des nems, c'est de la friture aussi un petit peu. Mais bien joué. C'était pas facile à dessiner frits au final. Pas comment. Je sais pas. Ah, personne n'a trouvé! Personne n'a trouvé! Ah, c'était dur! Ben alors, attendez, laissez-moi vous expliquer avant de spammer de points d'interrogation parce que je vous vois arriver là, d'accord? Et voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, je vais vous faire foutre à un moment donné. Déjà, je dessine une maison avec un jardin pour représenter que c'est une maison à domicile, c'est chez moi, c'est ma maison, d'accord? C'est pas une salle de sport. Et à côté, je dessine quelqu'un qui fait des abdos, qui souffre, qui transpire. Qui souffre, on le voit dans les yeux, mais il sourit. Et l'autre à côté, il est très costaud, il a un chrono dans les mains. C'est mon coach sportif qui me dit « Allez, allez, tu m'en fais encore 2 et 3 maintenant, tu m'en fais 20 maintenant, tu vois ?» Et tout ça se passe à la maison, donc c'est pas un entraîneur sportif, c'est un entraîneur personnel, je sais pas.
Quoi, non? Vas-y, tu le dessines comment, entraîneur sportif, là? T'as 10 secondes, t'as une seconde pour le dessiner, vas-y. Tu fais comment? Il se bouche les oreilles. Mais non, il a les mains derrière la tête! Il fait comme ça, là, tu sais. Et il sourit parce qu'il fait du sport, il est content parce qu'il va maigrir, et il pense aux efforts et tout. Alors au début, le sourire, je l'ai fait qu'à la fin. Parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait écrit violence, je sais pas quoi, les gens, ils partaient dans un autre sujet. Donc j'ai fait un sourire pour que vous compreniez qu'il n'était pas en danger, le monsieur. T'es... Qu'est-ce que... Désolé, mais non, Farod. Ben non. Vous êtes 1000 à pas avoir trouvé, mais je considère que je suis sûr d'avoir raison, en fait. Désolé. Et vous êtes 1000 à avoir tort. C'est comme ça. C'est mon père qui me réveille le matin. Allez, debout. Mais non, mais comment tu le dessines, en vrai? En vrai. Je sais pas. En plus, il avait le cordon du chronomètre qui lui passait autour du cou et tout. Ben, j'ai fait de mon mieux, voilà. Alors ça, c'est un mot que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Et c'est impossible à dessiner. Ok. C'est le nom d'un groupe de musique. Je connais pas. Vous connaissez? Beyrouth. Beyrouth, vous connaissez? Beyrouth, c'est un groupe de musique folk américaine formé par Zach Condon. Non. Bah, tu tapes Beyrouth dans Google. Donc B-E-I-R-U-T. B-E-I-R-U-T. Et tu tombes sur ça. Ah, ou alors c'est la capitale du Liban. Beyrouth. Ah, merde. Bon, attendez. Vous, j'ai rien dit, je vais dessiner le Liban. Ah non, mais c'est ça. En fait, plus je descends, c'est Beyrouth, en fait. Ah, il y a les deux. Non, il y a aussi le groupe de musique, un petit peu. Beyrouth revient avec son premier album en 4 ans. Bon. Sorry, sorry, not sorry. Attends, comment ça se dessine, ça, d'ailleurs? Elle est un peu grosse, mais je peux pas réduire la taille. Je peux complètement réduire la taille de mon crayon, autant pour moi. Autant pour moi. Alors, si c'était une araignée, je l'aurais dessinée noire. Et je lui aurais fait plus de pattes. En fait, elle a quatre pattes, mais c'est ses petites antennes. Mais ses antennes, on dirait des pattes. Donc, c'était une puce. Voilà. Je voulais dessiner des puces de lit à la base. Et puis, au moment où j'allais le faire, je me suis rappelé que c'était des punaises de lit, pas des puces de lit. Donc, voilà. Une puce, c'est sur les animaux. Mais pourquoi, quand je tape puce dans Google, le premier truc qui me sort, c'est sur la peau d'un être humain? Tu m'expliques? Là, il y a la tête d'une femme qui se tient la joue comme ça. Là, il y a le doigt d'un homme. Là, il y a les poils d'un humain. Là, il y a la main d'un homme. Là, il y a le pouce d'un homme. Ah! Là, il y a un chien. Là, il y a un homme. Il y a encore le doigt d'un homme. Là, il y a la main d'un homme. Là, il y a les pieds d'un homme. Là, il y a les genoux d'un homme. Il y a encore le doigt de l'homme. Je réfléchis. Je suis ChatGPT, je réfléchis pas. Oh là là. Oh, j'ai un doute sur ce que c'est, en fait. Mais c'est ce à quoi je pense. Oh. Oh non. Oh non. Ah. Elle a des boîtes de mouchoirs au pied, ok? Ok, c'est bon? C'est des boîtes de mouchoirs. Mais c'est pas des talons! S'il y avait des talons, j'aurais fait des talons! Il est tout plat, le pied, là! Monsieur! C'est une ballerine. Et au début, je pensais qu'il fallait dessiner les femmes qui dansent. Je croyais que c'était un truc de danse, la ballerine. Mais en fait, peut-être je me suis trompé, j'en sais rien. Je sais pas. Ah! Changeons de sujet, vite. Et je découvre un nouveau mot! J'ai trop hâte de le dessiner. C'est quoi? C'est encore le nom de... Oh! Non! Non! Ça s'appelle comme ça? Mais alors là, mais c'est la folie. Alors là, on va tous... Pas tous, parce que quelqu'un va trouver, mais on va apprendre quelque chose ce soir. Hein.
Mais je suis choqué. Waouh, trop fort. Un pseudo, t'es trop fort. Un abac. Qui savait que ça s'appelait un abac? C'est le, tu sais, le truc où il y a des petits anneaux et je sais pas du tout à quoi ça sert. J'imagine c'est pour compter un truc. Je l'ai vu dans des films, je sais pas. Ça s'appelle un abac. Incroyable. À quoi ça sert? Je sais pas. Une abac? Ah, peut-être que c'est une abac, je sais pas. Regarde, c'est pour celles et ceux qui visualisent pas. Ça, là. Tu vois, ça? Le truc pour compter. Mais peut-être pour compter. Je sais pas, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est. Enfin, je le vois, mais j'ai jamais su vraiment à quoi ça servait, en fait. Mais ça s'appelle un ou une abac. Trop, trop fort. Eh mais ce soir, les mots sont pas simples. Ah, ouais, presque à la fin, là. Oula, j'arriverai pas à l'entre-deux. GG. GG, c'était du sérum. GG. J'arrive pas à faire l'espèce de pipette, tu sais, qu'il y a dans le capuchon. Ah non, GG, hein. Après, je choisis des mots durs exprès, hein. Je fais exprès de prendre des mots durs, hein. Mais non, non. Bravo, bravo. Alors, celle-là, elle est technique, mais je m'en fous. Je m'en fous, je la fais. Elle est très technique, mais je m'en fous, je la fais. Il y a un seul moment dans le jeu où c'est possible. Voilà, je vous donne un gros indice. Merde. Bien joué. Ah là, bien joué. Ah là, Lazaris, tu me fais plaisir. Bien joué. Le seul moment dans le jeu où tu peux voir Mario de face et voir la Kitu en même temps, c'est quand il est face au miroir, dans la salle du miroir. Le reste du temps, tu peux pas voir la Kitu de tout le jeu vidéo. Ah, très technique. Ah oui, parce que là, si je vous faisais juste un dessin d'un mec debout, avec un rectangle devant lui, le même mec debout qui le regarde et qui le sourit, y a pas de jeu. Y a plus rien. Et le Mario, il est un peu cubique, hein, parce que c'est Mario de Mario 64. Donc il est un peu carré, tu vois, il est un peu polygone. Voilà, je me suis permis, c'était mon petit kiff. Merci. Oh putain. Oh putain, les gars. Oh les gars, vous allez détester le jeu. Bravo, parce que tu as réfléchi
Tu as compris quand je t'ai dit vous allez détester le jeu. Bravo. Voilà. Tu as été attentif. Tu t'es demandé pourquoi Farod il a dit ça. Peut-être que c'est une rêve par... Attends, ça j'ai déjà vu le citron. C'était la mousse au limon. Alors c'est sûrement pas un gâteau au citron, c'est un gâteau au limon. Paf. Et t'as trouvé. T'es trop fort. T'es trop fort. Félicitations. Oh putain, c'était le dernier mot. C'était trop bien. C'est trop bien. Mais à chaque fois, ça passe trop vite. Hein. On a joué plus d'une heure à ça, vous vous rendez compte? Ça fait plus d'une heure qu'on joue. Bravo à Etim qui a fini premier. Bravo Duxi, Ilka, Lix Boons, Sacha, Voltou, Diane Moon, Tonira, Michikaline, Kaisen, Sachel Gamer, Ayman, Keizan, Akirman, ML Bléa, Chiri Ali, L'Animoire, Human Dark, un pseudo, KR148, FXRG, Enzo Vand, Arsens, Jibens, Achou, Maigarek, Léo, Quentin, Urashi, Doug, Myrtisha, Potatoz, Alpha, Mara, Shadowmind, Virgule, Lazaris et Mafuyupan. Le truc c'est que t'as zéro, trop fort, et t'es quand même dans le top. La dernière fois il y avait 41 personnes qui étaient dans le top, là vous êtes que 38, c'est à dire que vous avez été soit les premiers, enfin ceux dans le classement ont été plus forts parce qu'ils ont trouvé plus de mots, ah oui c'est ça, ou alors les autres ont été plus nuls. On va plutôt dire que c'est eux qui ont été les plus forts. Bravo et GG à tous. GG. Tiens, je prépare ma caméra de nouveau pour la prochaine fois. Clac clac. Hop là. Non non, GG. C'était bien. Hein. À chaque fois, bon, comme d'habitude, vous êtes des monstres, vous êtes trop trop forts. C'est pas normal d'être aussi fort. Mais c'était pas mal. C'était cool, ça fait plaisir de temps en temps. Là cette semaine, on s'est fait deux Gartic Phone. C'est grave plaisir. Eh ben écoutez, on va arrêter la rediff déjà pour commencer. Au revoir YouTube, à bientôt. Bye bye.